Mes salut, c'est le Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on est sur Need for Speed Underground 2. C'est ma première vidéo sur Need for Speed Underground 2, mais j'en avais fait avant, mais je les ai supprimés parce que ça me plaisait pas. Donc voilà, donc là c'est pas pour faire par exemple une carrière, c'est que je vais modifier certaines voitures, hein. Faire comment faire voir les voitures. Voilà. Donc là, c'est pour celui-là. C'est le plus gros, c'est le plus grand profil, on va dire. Personnalisé. Donc là, on va mettre voiture, mes voitures. Donc j'avais. On va supprimer, 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 on va supprimer. Donc voilà. On va prendre une Peugeot 206. On va prendre ici. On va mettre par pare-choc. On va pas mettre celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là, ni celui-là. On va mettre non plus. Non, on va mettre celui-là parce qu'il rend assez bien. Si j'ai le logo. J'ai le logo Peugeot. Oh, c'est bien. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on l'a perdu. On va mettre pareil pour l'arrière. Les bas de caisse. Ah, mais moi j'aime bien cela en spoiler comme ça, assez stylé. Donc capot, bah capot, hop, tir, SDR pareil, je veux dire ça va un peu vite. On va mettre ça parce que ça déchire plutôt bien. Oh, celui-là il déchire bien aussi. Confort, on va mettre des voltages. Confort arrière, on va mettre un chrome. Déchire bien. Après, il y a les phares à LED. Hein. Je me dis, il y a les phares à LED. Et moi, j'aime bien les chromes. On va mettre en chrome pour les rétros. Je vais mettre cela pour le pot d'échappement. Bah, on va mettre le plus gros mais en rond. Ça fait bien aussi. Donc attendez, je reviens deux secondes parce que j'ai des petits problèmes. J'ai les règles limites quand même. Donc attendez, on va mettre de la musique pour distraire un peu. Oh, c'est super. Si en fait j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, on va. Et voilà, non. Donc voilà, donc allez, à tout à l'heure. Me revoilà. Donc je vais pas faire une ellipse, ça sert à rien, mais alors en jante.
Je vais mettre en main. Voilà. Donc voilà, on va essayer cette voiture. Soule. Oh, avec les Xenon 8000, elle rend hyper bien. Ici, en course de CCU.
vitesse max. 299. Continuer. Tour d'essai. Donc on va l'essayer. Hein. Donc, voilà. Bien sûr, moi je suis pas trop un pilote. Mais je sais quand même me débrouiller. Voilà. Oh. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un pilote. Je ne sais pas piloter. Ça, c'est une catastrophe. Pour l'avenir, c'est une catastrophe. On va voir. Là, on va bien freiner, hop, freiner, frein à main, et on repart. Ouh, je me débrouille plutôt bien, hein. Sauf ici. Ah! Alors, sans utiliser le nitro, on va voir comment. Donc, on fait. On peut peut-être freiner des fois. Hein. Une 34-12 sans nitro. Là, on va essayer avec le nitro. Hein. Donc, on passera le nitro d'ici. Donc voilà, cet épisode va se terminer là-dessus. Donc allez, ciao tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo.